FEMTO est un institut régional associé au CNRS qui œuvre dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et des microtechniques. Dans ce domaine, il dispose d'un certain nombre de compétences en optique, en mécanique, en microsystèmes, mais également en énergie. Dans le domaine du biomédical, ses principales activités sont des activités en microtechnique pour le biomédical, c'est-à-dire ce qu'on appelle le medical device, en protéomique, et puis des activités en biophotonique, c'est-à-dire utiliser l'optique pour les applications biomédicales. Et enfin, la dernière activité que je peux citer, c'est l'activité en radiothérapie qui est située à Montbéliard. Nous sommes en relation étroite dans le domaine biomédical avec le pôle de compétitivité des microtechniques, bien évidemment, dans lequel se développe un partenariat donc avec les industries locales qui sont issues des microtechniques et qui souhaitent se diversifier dans le cadre du biomédical. FEMTO peut apporter tout un savoir-faire et dans ce cadre-là peut mener des projets intégrés en utilisant donc des compétences qui sont à la fois en optique, en mécanique, en microtechnique, en énergie, etc. La plateforme CLIP, c'est une plateforme d'innovation en recherche clinique qui est une plateforme à la fois basée en Franche-Comté et en Bourgogne et qui implique des chercheurs issus des nanosciences et des microtechnologies jusqu'aux cliniciens. Donc nous avons certaines protéines dans l'organisme qui peuvent être des molécules bio-indicatrices de l'état d'avancement d'une maladie chez l'homme. Donc nous pistons ces protéines, nous essayons de les détecter le plus précocement possible de façon à informer le médecin et qu'un traitement thérapeutique soit adapté au patient en question. Nous travaillons actuellement sur des pathologies de type cancer, cancer du sein et cancer des ovaires. Une des difficultés en fait en fécondation in vitro, c'est de pouvoir estimer le stade de maturité des ovocytes. On le fait traditionnellement de façon visuelle, purement visuelle, donc subjective. Donc pour cela, une des solutions est d'analyser le spectre de transmission des ovocytes, le spectre optique de transmission des ovocytes, afin de pouvoir relier éventuellement, au départ on n'en était pas sûr, ce spectre de transmission au degré de maturité des ovocytes, c'est-à-dire mature ou pas mature. Donc à partir de ce système, on a une source de lumière qui est amenée par fibre optique au microsystème, qui est reprise par une fibre optique jusqu'à un niveau d'un spectrophotomètre et qui est interfacée avec un ordinateur qui nous permet de gérer l'ensemble des paramètres. Nos recherches se situent en amont des recherches cliniques. Notre objectif, c'est d'améliorer surtout les conditions des irradiations, améliorer la balistique. Et on vise, on peut dire, trois points. On vise la précision, la rapidité et la sécurité. FEMTO va se développer dans beaucoup de directions simultanées tout en gardant un profil pluridisciplinaire et en particulier dans le domaine biomédical qui est pour nous aujourd'hui un axe transverse mais qui devrait pouvoir évoluer vers un département.